Perfect. Thank you, Roberta. Just to tell you, it's an honor, and we are very happy to welcome you because we are in a deep union with CTS and also union with this trauma in Italy and in France. So I'm happy that you are here now. Wait, sorry. Okay, thank you. I shut your microphone. It's open now. It's okay. Sorry. Grazie, Eduardo. È un piacere, un onore per me essere qui con voi. E per un tema così importante in questo momento, per direi per entrambi i nostri paesi. Translation, yeah. Okay, donc, bonjour à tous, c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et surtout pour ce qui concerne une thématique aussi importante qui nous relie France et Italie. Il disturbo post-traumatico da stress. C'est le trouble de stress post-traumatique. E permettetemi di introdurre questo tema a partire da un caso. Donc, permettez-moi d'introduire cette thématique à partir d'un cas. È il caso di Marco, un giovane ragazzo di 30 anni che viene a chiedere un aiuto psicologico. C'est le cas de Marco, un jeune homme de 30 ans qui vient me voir pour demander de l'aide psychologique. Marco arriva in terapia disperato. Marco arrive en thérapie désespéré. Racconta che sei mesi prima, mentre tornava da una partita di calcio con due amici, il me raconte che il y a six mois avant, pendant qu'il était en train de rentrer d'un match de football avec ses amis, mentre lui guidava l'auto, un'auto dell'altro lato della carreggiata ha fatto un sorpasso. Pendant qu'il conduisait, une voiture de l'autre côté de la rue l'a dépassé. Nonostante non potesse fare sorpasso perché c'era la doppia linea continua per terra. Même si par règlement il n'aurait pas pu le dépasser parce qu'il y avait la double ligne par terre. E ha centrato in pieno l'auto di Marco e l'ha buttata in un fosso. Ah, et cette voiture a centré la voiture de Marco et l'a jetée du côté de la rue. A défoncé. Due amici di Marco sono morti nell'incidente. Marco è sopravvissuto. Les deux amis de Marco sont décédés dans l'incident de voiture, tandis que Marco a survécu. A partire da quel momento la vita di Marco è stata completamente stravolta. À partir de ce moment, la vie de Marco a été complètement bouleversée. Nonostante siano passati sei mesi, tutti i giorni Marco rivive i ricordi di quell'incidente. Même si l'incident s'est passé il y a déjà six mois, tous les jours Marco pense et revit cet incident. Ricorda la sensazione delle lamiere contorte intorno a lui. Il a le souvenir des parties de la voiture en métal autour de lui. Ricorda l'odore di bruciato dell'auto che ha preso fuoco. Il a le souvenir de l'odeur de brûlé de la voiture qui a pris du feu. Ricorda il rumore assordante dell'impatto. Il se souvient du bruit épouvantable de l'impact. Non sono solo ricordi, ci sono anche flashback, immagini che arrivano all'improvviso. Ce n'est pas seulement des souvenirs, il y a aussi des flashbacks, des images qui lui arrivent à la tête soudainement. Et ci sono incubi terribili per la notte. Et il fait des cauchemars terribles pendant la nuit. Marco racconta che è come se la sua vita fosse stata divisa fra un prima dell'incidente e un dopo l'incidente. Marco me dit que sa vie, c'est un peu comme si sa vie avait été divisée avant. Il y avait la vie avant de l'incident et la vie après de l'incident de voiture. E questo è il significato della parola trauma, ferita. Et vous voyez ici la signification du mot grec trauma, c'est blessure. È come se ci fosse una ferita fra un prima e un dopo che non riesce a sanarsi.
C'est comme s'il y avait une blessure entre ce qu'il y avait avant, sa vie avant et sa vie après, qu'il n'arrive pas à guérir. E di fronte a questo vissuto terribile del passato che ritorna continuamente nel presente, Et face à cette expérience terrible du passé qui revient toujours dans son présent, Marco cerca continuamente di dimenticare quello che è capitato. Marco cherche toujours, cherche tout le temps à oublier ce qui s'est passé. Ma come diceva Michel de Montaigne, mais comme disait Michel de Montaigne, niente fissa nella memoria in maniera più indelebile un ricordo. Il n'y a rien qui fixe dans la mémoire de façon aussi forte un souvenir che il desiderio di dimenticare. Que le désir de l'oublier. Ed ecco che più Marco cerca di non pensare, di non ricordare, più viene sempre più invaso da tutti questi ricordi. Et voilà que ce qui se passe, c'est que plus Marco essaye d'oublier, de ne pas penser à ce qui s'est passé, plus les souvenirs reviennent à sa mémoire. Marco cerca di aiutarsi anche in un altro modo. Marco essaye de s'aider aussi d'une autre façon. Ha smesso completamente di guidare l'auto. Il a complètement arrêté de conduire la voiture. Dal momento dell'incidente. À partir du moment de l'incident. E cerca di evitare qualunque strada che lo porti vicino al luogo dell'incidente. Et il essaye d'éviter n'importe quelle route qui puisse le ramener proche du lieu de l'incident. Perché la sola idea di ritrovarsi al volante o di rivedere certe strade lo getta nei ricordi più traumatici. Parce que la seule pensée de conduire ou de se retrouver proche du lieu de l'incident lui fait venir à la mémoire des souvenirs traumatiques. Marco continua anche a parlare con i suoi genitori e con gli amici di quello che è capitato. Marco continue aussi à parler soit avec ses amis, soit avec ses parents de ce qui s'est passé. Lui sa che non è stata colpa sua, ma continua ad aver paura di avere qualche colpa. Marco sait très bien que ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, mais il a toujours peur d'être un peu coupable. E allora continua a dire a tutti, non avrei potuto fare niente di diverso, vero? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à demander à tout le monde, c'est vrai, je n'aurais pas pu faire quelque chose de différent, non? E tutti gli altri lo rassicurano, certo, non avrebbe potuto fare niente. Et tous les autres, toutes les personnes de son entourage le rassurent et lui disent, bien sûr, tu n'aurais pas pu faire quelque chose de différent. Anche le famiglie degli amici morti lo rassicurano che non è stata colpa sua e non avrebbe potuto evitare l'incidente. Même les familles de ses amis qui sont morts le rassurent et lui disent que ce n'est pas de sa faute qu'il n'aurait pas pu éviter l'incident. Sul momento Marco si sente meglio, ma dopo ritorna il bisogno di continuare a parlare, a chiedere rassicurazioni. Sur le moment Marco se sent mieux, mais il continue à demander des rassurances. Ecco che Marco ci mostra quelli che sono i meccanismi principali di chi ha vissuto un trauma. Voilà que Marco dans sa façon d'agir, nous montre ce qui sont les mécanismes fondamentaux d'une personne qui a subi un trauma. Il tentativo continuo di controllare i propri pensieri, il tentativo di cancellare il trauma dalla mente. La tentative de continuer de contrôler ses propres pensées et de vouloir effacer l'expérience traumatique. Che come abbiamo visto la fissa ancora più nella mente. Mais on a vu que cette tentative fixe le souvenir encore plus dans la mémoire. Proprio perché pensare di non pensare, pensare ancora di più a qualcosa. Cela se passe parce que penser de ne pas penser, ça fait penser encore plus à la chose qu'on veut éviter de penser. Marco mette in atto poi il secondo meccanismo tipico di chi cerca di superare un trauma, l'evitamento. Marco met en place aussi le deuxième mécanisme typique d'une personne qui cherche à éviter un trauma, c'est l'évitement.
di tutte le situazioni che sono legate al trauma. C'est l'évitement de toutes les situations qui sont liées au trauma. Ma più evita queste situazioni, più conferma a se stesso che non è più capace di fare quello che faceva prima. Le fait c'est que plus il évite ces situations, plus il confirme à soi-même qu'il n'est plus capable de faire ce qu'il faisait auparavant. La stessa cosa avviene quando richiede rassicurazioni, quando parla del suo, di quello che è capitato. Et la même chose se passe quand il demande de réassurance, quand il parle de ce qui s'est passé. Più la rassicurazione funziona sul momento, più rende Marco dipendente dalle rassicurazioni degli altri. On peut dire que plus la réassurance marche sur le moment, plus Marco devient dépendant des réassurances des autres. E più questo rende il trauma sempre più presente nella mente di Marco. Et ça, ça rend le trauma toujours plus présent dans la tête de Marco. Questa è la situazione tipica che un terapeuta che vede una persona che ha vissuto un trauma deve saper gestire. Celle de Marco est une situation typique que un patient qui a vécu un trauma doit savoir gérer. Il terapeuta si trova di fronte ad una persona veramente bisognosa di aiuto e con grande urgenza. Le thérapeute se trouve en face d'une personne qui a vraiment besoin d'aide et a besoin d'aide dans l'urgence. Con un mix di emozioni fortissime, di paura, di dolore, di rabbia per quello che è capitato. Le patient a un mix de émotions très fortes, de douleur, de rage très forte pour ce qui s'est passé. È una persona che ha bisogno di essere compresa e accolta. C'est une personne qui a besoin d'être comprise et accueillie. E ha nello stesso tempo però guidata in maniera ferma a superare il trauma. Mais en même temps, c'est une personne qui a besoin d'être conduite de manière ferme pour dépasser le trauma. La relazione che il terapeuta deve creare, quindi? Donc, la relation que le thérapeute doit créer avec le patient deve essere molto calda, doit être très chaleureuse. Deve comunicare, capisco e sento quello che hai vissuto e quello che senti. Doit communiquer, je comprends, je ressens, je comprends très bien ce que tu as vécu. Ma allo stesso tempo far sentire l'altro che è di fronte ad un esperto che lo può aiutare. Mais en même temps, elle doit faire comprendre au patient qu'il est en face d'un expert qui peut l'aider. Ecco allora che a Marco ho detto. Et c'est pour ça que j'ai dit à Marco. E capivo perfettamente quello che provava. Que je comprenais parfaitement ce qu'il éprouvait. E che quello che stava provando, per quanto terribile, era normale. Et que ce qu'il était en train d'éprouver, si bien que terrible, était normal. E soprattutto che si poteva risolvere. Et surtout qu'il y avait la possibilité de résoudre sa situation. Ma gli avrei dovuto chiedere di fare qualcosa di veramente doloroso e difficile. Mais je lui ai dit aussi que j'aurais dû lui demander de faire quelque chose de vraiment difficile et douloureux. Qualche cosa che avrebbe suscitato tutta la sua resistenza. Une chose qui aurait engendré toute sa résistance. Ma che se lui avesse seguito alla lettera lo avrebbe aiutato in tempi veramente rapidi. Mais que si lui, Marco, aurait fait cette chose l'aurait aidé dans des temps très rapides. E siccome quello che andiamo a chiedere è una richiesta veramente difficile, e a partir du fait que ce qu'on demande è quelque chose de très difficile, dobbiamo veramente preparare la persona ad accettarla. Il faut vraiment qu'on prépare la personne, le patient, a accepté cette chose. La prima prescrizione che gli chiesi fu quella che chiamiamo il romanzo del trauma. Donc la première prescription que je lui ai demandé de faire, c'est ce qu'on appelle le roman du trauma. Tutti i giorni Marco avrebbe dovuto prendere uno spazio di tempo. Tous les jours Marco aurait dû prendre du temps. Prendere carta e penna e raccontare in tutti i dettagli l'evento traumatico. Marco aurait dû prendre un papier, un stylo, e écrire, raconter
dans le détail l'événement traumatique. Avrebbe dovuto raccontare proprio tutte le sensazioni vissute, le lamiere contorte, l'odore di bruciato. Marco aurait dû écrire et raconter toutes les sensations qu'il avait vécues au moment de l'incident. La voiture défoncée, l'odeur de brûlé. Tutti i dettagli proprio più terribili che ricordava di quel momento. Tous les détails les plus terribles qu'il avait en tête de cet événement. E avrebbe dovuto farlo tutti i giorni da capo. Ogni giorno doveva prendere carta e penna e raccontare tutto nuovamente. Et il aurait dû le faire tous les jours à nouveau. À chaque jour, il aurait dû prendre son stylo, son papier et raconter à nouveau ce qui s'était passé dans les détails. Una volta scritto, avrebbe dovuto evitare di rileggere. Une fois qu'il aurait écrit, il aurait dû éviter de relire ce qu'il avait écrit. Avrebbe dovuto mettere il foglio in una busta. Il aurait dû mettre le papier dans une enveloppe. E poi avrebbe dovuto portarmi tutti i romanzi del trauma. Il aurait dû me ramener à moi, thérapeute, tous les romans du trauma. Potete immaginare qual è stata la reazione di Marco, come della maggior parte dei pazienti a cui si chiede questa cosa. Vous pouvez imaginer quelle a été la réaction de Marco, comme la plupart des réactions des patients auxquels on demande cette chose. Dice, non posso fare questa cosa, è terribile, non voglio pensarci. Marco nous a dit, je ne peux pas faire cette chose, c'est terrible, je ne veux pas y penser. Ecco allora che il terapeuta deve essere capace di farsi morbido e accogliente. C'est en ce moment que le thérapeute doit être capable de se faire souple et accueillant. E utilizzare moltissimo la comunicazione evocativa, metaforica, per far sì che la persona sia disposta ad accettare questa indicazione. Et le thérapeute doit utiliser une communication qui doit être métaphorique, évocative, afin de permettre au patient d'accepter ses prescriptions. Io uso molto l'immagine della ferita che si è infettata. Moi, j'utilise beaucoup l'image de la blessure qui s'est infectée. Et ho spiegato a Marco che quel trauma gli ha provocato una ferita che non ha avuto un normale corso di guarigione. Et j'ai dit à Marco que le trauma qu'il avait vécu lui avait provoqué une blessure qui n'avait pas eu un normal cours de guérison. Che purtroppo la ferita si è infettata e ora è piena di pus. Que malheureusement la blessure s'était infectée et maintenant elle était pleine de pus. E che quando abbiamo una ferita piena di pus, purtroppo dobbiamo incidere con un bisturi per liberare il pus. Et que quand la blessure est infectée, elle est pleine de bactéries, il faut qu'on la ouvre avec un bisturi pour pouvoir la guérir. E che questo può essere molto doloroso mentre lo faccio, ma dopo estremamente liberatorio. Et que cette opération avec le bisturi peut être très douloureuse pendant qu'on la fait, mais qu'après elle permet de guérir, de se libérer. E gli dico anche che se ci fosse un mezzo meno doloroso per aiutarlo lo userei, ma che purtroppo questo è l'unico così rapido che conosco. Et je lui ai aussi dit que si je connaissais un moyen plus rapide pour l'aider, je l'utiliserais. Mais malheureusement, le bisturi est le seul moyen que je connais. Se la persona, come è stato con Marco, si sente accolto, accompagnato a fare questa cosa, sarà disponibile a farlo. Si, come ça a été le cas de Marco, la persona se sent accueillie et accompagnée dans ce travail, la persona va être à la fin disponible. En effet, à faire ce travail. A Marco ho chiesto anche una seconda cosa. A Marco j'ai demandé aussi de faire une deuxième chose. È quella che noi chiamiamo la congiura del silenzio. C'est ce qu'on appelle la conjuration du silence. Gli ho spiegato che tutte le volte che lui continuava a parlare dell'incidente, di quello che era capitato e a farsi rassicurare. Je lui ai dit que toutes les fois qu'il parlait de ce qui s'était passé, qu'il essayait de se faire rassurer par rapport à ce qui s'était passé. Era come se innaffiasse la pianta del ricordo del trauma con un fertilizzante speciale, la faceva crescere sempre di più. C'était un peu comme s'il donnait de l'eau à une plante
avec un fertilisant spécial qui l'a poussé à croître toujours plus. E che quindi gli chiedevo di comunicare a tutte le persone intorno a lui. Et que donc je lui ai demandé de communiquer à toutes les personnes de son entourage. Che da quel momento in poi dell'incidente si sarebbe dovuto evitare di parlare. Que à partir de ce moment, il fallait éviter de parler de l'incident. Marco aveva il suo romanzo da fare, avrebbe potuto parlare dell'incidente in quel momento. Marco avait son roman du trauma à faire, il aurait pu parler de l'incident dans ce moment. Ma doveva evitare di parlarne con chiunque. Mais il fallait qu'il évitait d'en parler avec son entourage, avec les autres. Marco è tornato alla seconda seduta con un viso già decisamente trasformato. Marco est revenu en deuxième séance avec un visage déjà transformé. Mi ha consegnato i suoi romanzi. Il m'a donné ses romans du trauma. E mi ha raccontato che i primi giorni era stato veramente terribile. Et il m'a dit que les premiers jours ça avait été vraiment terrible. Quando aveva iniziato a scrivere, era stato travolto da tutti quei ricordi, da tutte quelle sensazioni in maniera veramente intensa. Il m'a dit que quand il avait commencé à écrire, il avait été submergé par tous les souvenirs, toutes les images d'une façon épouvantable. Ma che a partire dal terzo giorno già aveva cominciato a sentire che questi ricordi arrivavano molto meno. Mais il m'a aussi dit que déjà à partir du troisième jour, il avait commencé à percevoir que ses souvenirs commençaient à lui venir de moins en moins. I ricordi, i flashback, le immagini erano molto diminuite. Les souvenirs, les flashbacks, les images, la quantité de tout ça était beaucoup diminuée. E anche scrivere il romanzo lo viveva in maniera molto più distaccata. Et même écrire le roman, il vivait cette expérience de manière beaucoup plus détachée. Anche il fatto di non aver parlato con qualcuno era stato molto liberatorio. Et aussi le fait de ne pas avoir parlé comme d'habitude avec son entourage l'avait beaucoup aidé à se libérer. Finalmente aveva ricominciato a parlare con gli amici e la famiglia anche di altre cose. Parce que finalement, il avait repris à parler avec sa famille et ses amis aussi d'autres sujets. E sentiva veramente che la pressione del trauma si stava riducendo. Et il commençait à sentir que la pression du trauma était en train de se réduire. Tanto che aveva iniziato a pensare che forse era il momento di tornare a guidare l'auto. Et jusqu'au point, il avait commencé à penser que peut-être était arrivé le moment de commencer à reconduire la voiture. Com'è stato possibile un cambiamento così rapido? Non, maintenant, la question est comment a été possible un changement aussi rapide? Lasciatemi entrare in dettaglio di quella che è la manovra principe per questo trattamento, il romanzo del trauma. Je vais vous présenter maintenant dans le détail la manovra, la prescription principale dans ces cas, c'est le roman du trauma. Descrivere il trauma nei dettagli permette degli effetti veramente rapidi a livello psico-fisiologico. Décrire le trauma dans les détails donne des effets très rapides d'un point de vue psicofisiologique. Innanzitutto permette alla persona di tirare fuori da sé tutti i ricordi, i flashback, le immagini e metterli su carta. Premièrement, le roman du trauma permet à la personne de mettre en dehors d'elle-même, de externaliser les souvenirs, les images, les flashbacks et de les mettre sur du papier. Interrompendo la tipica tentata soluzione di cercare di dimenticare e quindi ricordare di più. En bloquant, en stoppant la tentative de solution d'essayer d'oublier quelque chose et donc qui amène seulement à y penser plus. Ed è stato dimostrato che scrivere permette anche un cambiamento a livello cerebrale. Et on a démontré aussi qu'écrire permet d'avoir un changement au niveau cérébral. Ovvero il passaggio dei ricordi a breve e medio termine nella memoria a lungo termine. Ça permet, c'est-à-dire qui permet le passage des souvenirs qui sont à moyen court terme au long terme. Cosa che non avviene parlando. Tandis que ce passage
ne se passe pas quand on parle. Quindi da un punto di vista neurologico è come se scrivere permettesse a queste memorie incastrate di finire nel serbatoio a lungo termine, nell'archivio del passato. Donc c'est un peu comme si cette expérience d'écrire permet à ces souvenirs qui sont coincés de se transférer dans la mémoire à long terme, dans une sorte d'archive du passé. Mentre la persona scrive, inoltre, a poco si ha il fenomeno dell'abituazione ai ricordi. Et en plus, ce qui se passe, c'est que pendant que la personne écrit, la personne commence à s'habituer aux souvenirs. E nel far questo, a poco inizia quel distacco emotivo graduale. Et en écrivant, la personne commence à se détacher progressivement. Dalla paura, la rabbia, da tutte quelle emozioni che il trauma aveva scatenato. Et la personne commence à se détacher de la peur, de la colère, de la rage, de toutes les émotions que l'incident, le trauma avait causé. Ecco che il trauma viene veramente posto nel passato. C'est donc de cette façon que le trauma vient vraiment déplacé dans le passé. E la persona lo scopre perché continua a emergere sempre meno. Et la personne découvre que le trauma a été déplacé dans le passé parce que les souvenirs du trauma commencent à apparaître de moins en moins. Ecco che il romanzo del trauma permette proprio di trasformare la ferita in cicatrice. C'est donc de cette façon que le roman du trauma permet de transformer la blessure en cicatrice. Mi sono quindi molto complimentata con Marco per quanto era stato bravo a fare questa cosa così difficile. Je me suis donc félicité avec Marco pour sa capacité, pour vraiment sa habilité de réussir à faire une chose autant difficile. E gli ho chiesto di mantenere il romanzo del trauma, ma solo e soltanto se ce ne fosse stato bisogno. Et je lui ai demandé de continuer à faire le roman du trauma, mais seulement dans le cas où il aurait encore eu besoin. Ovvero se i ricordi fossero affiorati spontaneamente. C'est-à-dire dans le cas où les souvenirs auraient continué à revenir spontanément. In modo tale da archiviare definitivamente il passato nel passato. De façon d'archiver définitivement le passé dans le passé. Per aiutare Marco a riprendere in mano la sua vita, già che gli era venuto voglia di fare cose differenti. Pour aider Marco à recommencer à vivre, déjà qu'il avait commencé à avoir envie de faire des choses différentes. Ho introdotto la prescrizione del come se. J'ai introduit une autre prescription, la prescription du comme si. Gli ho chiesto tutte le mattine che si facesse questa domanda. Je lui ai demandé de se poser chaque matin la question suivante. Cosa farei oggi di diverso da quello che faccio di solito, come se avessi già completamente superato questo problema? Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui de différent par rapport à ce que je fais aujourd'hui, comme si j'avais déjà parfaitement dépassé ce problème? E di tutte le cose che gli venivano in mente, doveva sceglierne una, la più piccola, e metterla in pratica durante il giorno. Et à partir de toutes les réponses qui lui venaient en tête, il devait en choisir une, la plus petite, et la mettre en pratique à chaque jour. Et tous les jours, ça aurait dû être une chose différente. Mais tous les jours, la chose à mettre en pratique aurait dû être différente. Ho visto Marco altre quattro volte. J'ai vu Marco 4 autres fois. E l'ho seguito mentre recuperava tutta la sua vita. Et je l'ai suivi pendant qu'il récupérait toute sa vie. Il romanzo del trauma non era stato più utilizzato se non qualche volta. Il n'a plus utilisé le roman du trauma sinon quelquefois. E attraverso del come se gradatamente Marco aveva recuperato la sua vita. Et parmi le comme si, la prescription du comme si, Marco a progressivement récupéré, recommencé à vivre. Nel suo caso non è stato necessario fare altro. Dans son cas spécifique, il n'a pas été nécessaire de faire d'autres travail avec lui. Per concludere questa mia presentazione c'è un aspetto importante che ci tengo a sottolineare. En conclusion de cette présentation, il y a un aspect important que je tiens à souligner.
e che vale per tutti i disturbi post-traumatici da stress. E che è valabile per tutti i troubles di stress post-traumatico. Ed è stato espresso veramente bene in questo aforisma di Robert Frost. Il a été très bien exprimé parmi cet aphorisme de Robert Frost. Se vuoi venirne fuori, deve passarci nel mezzo. Dit la meilleure façon de s'en sortir est d'aller au travers des choses et d'avancer. Qualunque sia stato il trauma che la persona ha vissuto, n'importe quel trauma une personne peut avoir vécu, la dobbiamo guidare a ripercorrerlo, passarci dentro e venirne fuori. Il faut qu'on la conduise à parcourir le trauma, à le traverser et à y sortir. Ed è interessante a questo proposito il nostro dato di efficacia sulla cura di questo disturbo. Ce qui est très intéressant à ce propos, c'est la donnée d'efficacité, la donnée de notre efficacité dans la guérison de ce trouble. È il 95% di efficacia. C'est le 95% d'efficacité. In cui l'unica differenza fra il 95 e il 5 che invece non ha risolto. Où la seule différence entre le 95 et le 5, le 5% des cas non résolus, è che quel 5% si è rifiutato di fare il romanzo del trauma. C'est que le 5% a refusé de faire le roman du trauma. Che vuol dire, da un punto di vista strategico, che il terapeuta non è stato sufficientemente bravo a farglielo accettare. Ce qui veut dire, d'un point de vue stratégique, que le thérapeute n'a pas été aussi bon au point de réussir à faire accepter au patient de faire cette prescription. Se il paziente l'accetta e l'esegue, il trauma si supera. Si le patient accepte la prescription et fait la prescription, le trauma vient dépasser. Poi, chiaro, ci sono altre cose da aggiungere e che varieranno da situazione a situazione. Et après, c'est clair, il y a des autres choses à rajouter qui vont varier selon les situations. Vi ringrazio per l'attenzione. Merci à tous pour l'attention.